N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, je suis toujours sélectionné parce que je suis au Canada pour exposer, pour représenter France en tant que créatrice de la mode. Je suis en format mode dans la école de styliste et modéliste, c'est-à-dire un diplôme de styliste et modéliste à Napoto. Et puis, je suis en pas Kenzo, tant que modéliste et styliste. Okay. Et puis, je suis en pas Céline, tant que modéliste. Je suis en pas Morgane, tant que modéliste. Et puis, je suis pas Renato. Et pas Yves Saint-Laurent à l'époque. La bande n'est pas Yves Saint-Laurent à l'époque. Parce qu'on n'a pas... Tout le monde a un ordinateur et puis on a dessiné un ordinateur. D'accord. Voilà. Début de travaux de réhabilitation de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili, un motif de satisfaction pour la population de ce coin. Au Congo central, la ville de Matadi, de nouveau éclairée, des poteaux d'éclairage public et des lampadaires ont été placés dans la ville portuaire. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Après sa mission d'itinérance en province, qu'il a commencé par le Grand Kassai, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le jeudi soir à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Reportage Pierre Kibembe Somoïssa et Coco Molicho.
Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC sera d'application conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà ce jeudi 13 janvier 2022, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion du comité politique de pilotage du programme de développement à la base. Étaient réunis autour du chef de l'État, le Premier ministre Samalou Kondé et des ministres responsables des différents secteurs de développement, précision fournie par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Vous avez entendu le président de la République parler de 145 territoires. Vous avez tous suivi la mission d'itinérance qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Il a entendu les volontés de nos populations et il est très, très, très motivé à l'idée d'aller à la suite des actions que le Premier ministre avait posées de manière comme des essais, d'aller concrètement. Et donc aujourd'hui, c'était la réunion du comité qui lève les grandes orientations pour voir dans quelle mesure nous commençons, parce qu'il s'agit ici de faire des routes, il s'agit de construire des écoles, des centres de santé, de recréer un tissu économique. Et aujourd'hui, donc, le ministre du Plan a eu l'occasion de présenter la matrice du projet et les collègues qui sont membres de ce comité ont donné les premières réactions. Et c'est une réunion qui va se poursuivre très rapidement pour que dans les jours qui viennent, nous puissions commencer effectivement le travail sur terrain de manière plus engagée. Le ministre qui a le pilotage de ce programme de développement à la base, c'est le ministre d'État au plan. Évidemment, le ministre du plan, le ministre d'État au développement rural, qui est lui aussi, qui s'occupe des questions de développement des provinces ou des entités à l'intérieur du pays, mais aussi les collègues du secteur ECOFIN, l'aménagement du territoire, la santé, et évidemment le ministre de l'Intérieur, et puis la communication, parce qu'il est aussi question de s'assurer que le Congolais comprenne ce que c'est la vision du président de la République à travers ses projets qui visent les développements à la base. Ça veut dire que nous suivons la population là où elle est pour lui apporter des solutions. Les fonds sont disponibles. Il y a une provision au niveau du budget. Je ne pourrai pas vous donner les montants tout de suite, je vous les donnerai après la prochaine réunion. Et nous avons reçu, vous vous souvenez, des droits des tirages spéciaux qui nous ont permis d'avoir des réserves d'échange. Et donc nous avons un budget d'à peu près, si je dois le citer, d'à peu près 450 millions qui pourra très vite être mis pour permettre de commencer la concrétisation de cette vision du président de la République. Le ministre Patrick Muyaya a rassuré que la prochaine réunion consistera à la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les orientations du chef de l'État et grâce au travail harmonisé par la commission gouvernementale, les représentants de chaque territoire, les administrateurs et les gouverneurs de province. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a échangé hier avec les sénateurs et députés nationaux du Grand Équateur, conduite par le sénateur Mokolo Apombo. Ils ont échangé sur les crises persistantes dans cette partie du pays. Explication de Sandra Nyangui. Nous pouvons parler tant à notre niveau qu'au niveau sénatorial. Et vous le saurez par la suite. Les crises persistantes dans le Grand Équateur préoccupent les sénateurs de cette partie du pays. Conduite par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, Sangou Maté Mongonda Mossai, la délégation de ces dignes fils de l'Équateur s'est entretenue avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le Sénat, qui est l'émanation des provinces, devra accélérer la collaboration avec l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour que la crise qui a élu domicile soit résolue. L'occasion a permis aux élus des élus du Grand Équateur de solliciter une rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de préparer sa prochaine itinérance de leur espace. Attentif, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, leur a promis de faire parvenir toutes leurs préoccupations au chef de l'État. Une journée pleine qui a vu le speaker de la Chambre haute du Parlement échanger avec le député national Josué Moufoula. Entre autres questions, l'approvisionnement en eau potable de la ville de Goma, la prise en charge des victimes de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo et la problématique des réfugiés burundais. Modeste Bahati Lukwebo a bouclé cette série d'audiences par la communauté chi
qui était venu lui présenter les ouvrages écrits par Roger Bafungembaka. Il s'agit d'un roman en langue machi et d'un dictionnaire français swahili machi pour la pérennisation de la culture chi. Les travaux de la réhabilitation de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili. Les débuts ont été annoncés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour hier vendredi ont bel et bien débuté à la grande satisfaction de la population. Pati Tondouango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala pour le reportage. Les usagers de la route Sekomaf de la commune d'Ndjili et la population environnante peuvent dans les tout prochains jours retrouver la joie d'emprunter sans beaucoup de gymnastique cette route des dessertes agricoles en état de dégradation très avancée. La visite d'inspection du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge de l'usine de traitement d'eau de Limbaimbu via cette route a donné un coup de pouce à l'équipe de l'Office des voiries et drainages chargée d'exécuter les travaux dans le cadre du projet Zéro Trou lancé par Jean-Michel Samaloukonde Kienge, comme en témoigne l'ingénieur Julio Kisoso de l'OVD. Nous avons reçu des instructions fermes, nous sommes à pied d'œuvre. Alors ici, il s'agit de travaux d'assainissement. On a constaté qu'il y a un collecteur qui est à 100% bouché. Les travaux, pour le moment, consistent à déboucher le collecteur en question. Sur la route, donc, il y a les travaux d'assainissement dont je viens de parler tout de suite là. Il y a aussi les travaux des chaussées. Sur les travaux des chaussées, ici nous avons prévu carrément le bétonnage. Prévu carrément le bétonnage, puisque le schéma hydraulique a complètement changé. Puisque la traversée qui ramenait les eaux vers l'exutoire qui est à ma droite ne fonctionne plus. Alors nous sommes obligés de refaire un autre schéma hydraulique qui va prendre en charge les eaux qui stagnent ici. Ces travaux qui vont s'exécuter sur un tronçon de 3 km et 135 mètres, c'est une véritable aubaine pour la population qui n'a pas tari d'éloges envers les chefs du gouvernement. Oui, et premièrement, tout fait, si le Premier ministre, merci. Il fallait qu'il t'assure les terrains. Nous remercions le Premier ministre. Hier, il a fait sa descente et aujourd'hui, les travaux ont commencé. Notre souhait est que ces travaux arrivent à terme. Nous avons beaucoup souffert quand le Premier ministre a promis hier les débuts des travaux. On n'avait pas cru à ses paroles. Aujourd'hui, ces choses faites, les travaux ont réellement démarré. Pour l'autorité municipale d'Ndjili, la réhabilitation de cette route va permettre d'inonder la ville province Kinshasa en produits maraîchers. Mes souhaits sont que les travaux aillent vite et que ça se termine à la satisfaction de la population. Parce que cette route ici, nous avons des légumes qui viennent de là. Le Premier ministre a été promis à la population après son passage le jeudi 13 janvier 2022, le début des travaux de réhabilitation de cette route Sekomaf qui mène vers les îles de Petmado de Limbaimbu dès le lendemain. Et comme vous pouvez le constater, les travaux ont bel et bien démarré et l'équipe de l'office de voirie et drainage est déjà à pied d'œuvre. Le passage de Jean-Michel Samaloukonde Kienge sur cette route des dessertes agricoles était vraiment nécessaire pour permettre à la population de circuler sans peine et aux maraîchers d'atteindre facilement les lieux d'écoulement de l'air produit. Depuis la route Sekomaf à Ndjili, Patrick Tondor Kizunda et bienvenue Moussala pour la radio-télévision nationale congolaise. Et le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a visité 3 sites érosifs. Alexis Gissaro Mouvouni est allé à Kimwenza, Dumez et Masikita pour se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive lancés sur ces différents coins de Kinshasa. Un reportage commenté par Erudis Kitutu Modiri.
C'est une visite de contrôle que le ministre d'État des ITP a conduit successivement et sa suite dans les différents sites des travaux de lutte anti-érosive. Akimwenza, Alexis Guissaro avait promis en son temps à la population de ce coin de Kinshasa son implication pour sauver cette route d'intérêt local qui passe par l'université de Kinshasa jusqu'au rond-point Ngaba. Promesse tenue à la grande satisfaction de la population. Nzela Oyo et Zali investissement mounene. Bibliothèque à Mounen, il y a Afrique centrale et Zalaka, Awana Canisius. Merci, président de la République, merci. Occasion pour le ministre d'État des ITP d'inviter la population au civisme. C'est à cause de la négligence humaine qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre de l'argent qui aurait pu être utilisé à d'autres besoins sociaux de la population. À Dumez, les travaux de stabilisation et de remblayage de sol ainsi que de construction des caniveaux ont repris. C'est sur l'avenue Massikita que le ministre d'État a bouclé sa visite d'inspection sur terrain. Sur ce site, l'érosion menace cette avenue Massikita au quartier Upen dans la commune de Ngaliema. Un grand bassin de rétention d'eau est en construction pour la stabilisation. Nous avions estimé donc que nous devons être sur le terrain pour voir effectivement les différents projets que nous avons mis en route, leur état d'avancement. On nous donne, disons, un délai de plus ou moins 3 mois pour que cette érosion soit totalement stabilisée. La lutte de ces érosions connaît le concours des entreprises contractantes de la place. Jadis dans une obscurité, les diverses voiries urbaines de la ville portuaire de Matadi ont des nouveaux poteaux d'éclairage public et des lampadaires puissants, fruit des travaux d'électrification de la dite voirie exécutée par la mairie de Matadi. Pierre Ombouyou Saïdi pour d'autres détails. Doter la voirie urbaine de Matadi des poteaux d'éclairage et des puissants lampadaires à même d'offrir à tous les usagers routiers de cette cité portuaire une bonne visibilité sur la chaussée pendant les heures nocturnes de grande fréquentation, une devoir rationnelle de lutter efficacement contre les phénomènes de lestage et autres méfaits sociaux dus à l'obscurité dans les célèbres places et autres ronds-points de cette partie de la province du Congo central, telle est l'une des principales articulations et visions managériales de l'action républicaine menée par la mairie de Matadi qui s'emploie à combattre l'obscurité dans tous les coins de la ville rocailleuse à travers les processus d'électrification de toutes les chaussées, rues, avenues et voiries urbaines de la ville de Matadi. Nous sommes dans la vision de la reconstruction qui est une vision du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État a comme slogan le peuple d'abord, d'abord c'est le peuple. La mairie de Matadi qui a toujours comme vision reconstruire. Nous sommes en train d'électrifier la ville pour que notre population, comme l'a dit le chef de l'État, puisse vivre en paix. Démarrer dans les routes principales et secondaires, sans oublier les célèbres places et ronds-points mouvementés. Cette série d'actions républicaines liées à l'électrification va s'étendre dans les coins les plus reculés de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Ouverture de la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie de la défense. La vice-ministre de la Défense, dans son adresse, a parlé de l'importance de cette session qui a pour objectif la réflexion stratégique autour des enjeux de la défense et sécurité. Reportage, Jojo Ndibou et Yvette Makoutima. Politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale, c'est le thème retenu pour la 5e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies de la défense. La cérémonie d'ouverture de cette session a été présidée jeudi 13 janvier 2022 par la vice-ministre de la Défense et ancien combattant Séraphine Kiloubou-Koutouna, représentant le ministre de la Défense en mission. Au cours de son adresse, le numéro 2 de la Défense nationale est revenu sur la nécessité pour chaque État à définir sa politique de défense qui doit tenir compte des dimensions régionales et internationales au regard de l'enjeu de la mondialisation. Elle a par ailleurs invité les participants à approfondir leurs connaissances en matière des politiques de défense avant de remercier les intervenants des différents pays pour leur disponibilité. Je constate avec bonheur que cette session, comme les autres, débute avec un colloque dont les thèmes rivalisent avec ceux des années précédentes, s'ouvre cependant à un moment particulier où la République fait face à une insécurité criante dans la partie est de son territoire.
L'ouverture de cette session a eu lieu en présence des hauts officiers militaires de la police nationale, des députés nationaux, des sénateurs. Il s'est signalé que les collèges des hautes études des stratégies de la défense, CHESD, se focalise depuis sa création en 2016 sur la réflexion stratégique autour des enjeux de la défense et sécurité. Cette réunion avec les autorités territoriales sur le début de l'opération d'identification de la population congolaise, c'est une rencontre entre le directeur général de l'Office national pour l'identification de la population et les chefs coutumiers du Kwilu. Emmanuel Commissaire pour le reportage. Les opérations d'identification vont bel et bien démarrer d'ici quelques mois en République démocratique du Congo. Les chefs coutumiers Nyamuyuku et Tambongwangoe, tous deux de la province du Kwilu, ont rencontré le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga Tumba, pour solliciter le partenariat dans le processus d'identification de la population dans leur chefferie. Leur expérience dans l'identification des habitants du Kwilu est un atout important qui permet de connaître la nationalité de tout et chacun, a précisé l'un des chefs coutumiers. Ils ont également sollicité la complicité et la transparence avec les partenaires coutumiers qu'ils représentent. Au-delà de tout, l'Office national d'identification de la population est appelé à collaborer avec les différents chefs coutumiers de la RDC qui gèrent 80% de la population congolaise. Ça y est, pour le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi organique portant promotion et protection de droits des personnes vivant avec handicap et de la Convention internationale des personnes vivant avec handicap. Reportage. En mission de vulgarisation de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap dans la ville martyre de Kisangani, la ministre Irène Issambo Diatta a fait d'une pierre deux coups. Elle a effectué une ronde des quelques centres de ces villes vulnérables. Tout a commencé par le centre espoir des sourds de la 13e communauté baptiste du fleuve Congo. La ministre déléguée a reçu les explications sur le fonctionnement de cette école et les desiderata lui ont été transmis. Puis elle s'est rendue au centre Bartimé qui encadre les aveugles et malvoyants. Là aussi, elle a palpé les réalités infrahumaines de cette école, partant des salles de classe jusqu'au dortoir. Pour clôturer sa journée, la ministre Irène Issambo Diatta s'est rendue au noyau principal de la Tchopo pour échanger avec toutes les organisations de personnes en situation de handicap. Elle leur a expliqué les avantages de la loi organique, le programme et la stratégie du ministère pour leur inclusion et l'intégration sociale. Un motif de satisfaction pour ces vulnérables. Nos expressions sont des expressions de joie, parce que c'est voir au milieu de nous, Madame la ministre, elle a choisi la province de la Tchopo. Nous voulons que ça ne se limite pas, que ça ne soit pas la première fois qu'elle puisse venir nous visiter. Partout où elle est passée, Irène Issambo Diatta a sensibilisé les personnes handicapées sur la loi organique, la vision du gouvernement pour leur promotion. Elle a aussi rassuré ses interlocuteurs que bientôt dans chaque province, il y aura un répondant, question de leur permettre de faire parvenir leurs desiderata directement au ministère. Les médecins chirurgiens-dentistes plaident pour l'amélioration des conditions de leur travail. Réunis au sein du syndicat national des chirurgiens-dentistes, ils ont fait un sit-in devant le ministère de la Santé publique pour faire entendre leur voix. Les blouses blanches, chirurgiens et dentistes ont quitté les salles d'opération pour la rue. Mobilisés comme un seul homme, ils veulent entrer dans leurs droits. Réclamer l'harmonisation et la régularisation du taux de notre prime de risque, au T4, nous n'avons rien obtenu. Au T1, nous sommes là parce que nous voulons avoir quelque chose. L'alignement, n'en parlons pas. L'alignement des 79 chirurgiens et dentistes, nous regrettons que cette situation perdure. Nous demandons à ce que nos autorités, de tutelle d'abord, le ministère de la Santé, puissent débloquer notre situation. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons revendiquer nos droits chaque jour, chaque semaine, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Nous ne sommes pas en grève, nous n'allons pas entrer en grève, mais nous serons des spécialistes de sit-in. Ils étaient devant la primature pour interpeller les pouvoirs publics afin d'améliorer leurs conditions de vie et du travail.
C'était un reportage de Lisette Mujinga Mutombo. Au terme de son séjour de travail en RDC où il a participé au sommet du NEPAD, le ministre de l'Agriculture de la Zambie a échangé le mercredi dernier avec son homologue congolais Désiré Ndinga. Ruben Firi Mtolo tient à un partenariat entre les deux pays afin de vaincre l'insécurité alimentaire dans la région. Reportage Marthe Mangaza Kalala. Comment mettre en place un partenariat public-public dans un premier temps et un partenariat public-privé dans la suite entre la République démocratique du Congo et la Zambie? Cette question a gravité autour des entretiens entre le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga-Birianze, et son homologue de la Zambie, Ruben Firi Mtolo, qui venait de clôturer sa mission au pays où il a séjourné pour prendre part au sommet organisé par NEPAD. Which we saw here from the government of the DRC. Ce que nous avons trouvé très intéressant, c'était que en l'absence de monsieur le président de la République et de ministre de l'Agriculture, il y a eu le premier ministre qui était présent, ainsi que le ministre du Développement Rural. Et c'est cette continuité-là que nous avons trouvé très très remarquable et puis nous avons vraiment apprécié. Prenons un cas pratique. Présentement, nous avons plus de 1000 mètres carrés de maïs et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons avec la RDC faire des affaires, voir comment est-ce que nous pouvons amener ce maïs en RDC. Et en même temps, il y a tout un tas de produits, il y a le riz, il y a le soya, il y a le haricot, etc. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec la RDC comment faire les projets de partenariat afin que nous puissions travailler sur ces produits. Étant donné que nous allons passer par la frontière de Kasumalesa, on est en train d'envisager également comment réduire tout un tas de postes là-bas pour n'avoir qu'un seul poste, afin que les transactions entre nos deux pays puissent se passer de la manière la plus fructueuse possible. We need the one, you know, post, border post, where everything is done there and we put decent shops there. La Zambie est l'un des pays limitrophes de la République démocratique du Congo qui entretient non seulement de très bonnes relations diplomatiques avec la RDC, mais aussi dans les domaines des échanges commerciaux. Et pour terminer, la cellule de l'UDPS Rigini a organisé un colloque sur le secteur minier de la RDC et son apport dans le développement de la République. C'est un reportage commenté par Alain Bikaï. À l'épreuve du paradoxe congolais était au centre des écologues organisés par la cellule de l'UDPS Rigini Debou. Selon la présidente de cet organe de base, Bobette Kibonge, ses travaux s'inscrivent dans le cadre des sensibilisations des Congolais sur les ressources naturelles de la RDC. Les écologues axés sur les secteurs miniers visent à faire participer ou du moins à informer la population sur la gestion de l'Ekibika en général et des richesses minières en particulier. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour développer les différents thèmes. Les premiers, c'était le prof Louboya qui s'est penché sur les partenariats miniers et le développement durable. Les contrats miniers de la République démocratique du Congo entre partenariats gagnant-gagnant et le boisage des richesses congolaises était le thème développé par Dani Oleko, cadre à l'IDPS. La situation de la gouvernance minière telle qu'elle a été héritée par l'UDPS et la politique qui a été mise en œuvre par l'UDPS pour changer la situation. Le secrétaire national adjoint de l'IDPS, Michel Kibonge, a axé son intervention sur le secteur minier, défis et perspectives à venir. Cette fois-ci, on va vendre nos gisements aux meilleurs offrants. Ça ne sera plus de contrats bradés ou des prix arrangés, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance que préconise le président de la République, dans l'optique de lutter contre la fraude minière, il y aura la création des centres de négociation. Fin de ce journal réalisé par Ramadan Poki et Mamita Bongoulou. La partie technique était assurée par François Kapiamba, Redan Poy, Emile Zola et Jetou Lusaki. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Excellente suite de programme sur la RTNC.
Le moine Abouté du chef a également changé des drapeaux. Il a donc installé l'emblème non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de son parti UDPS. Un exercice normal que tout membre de l'UDPS peut faire en dehors de moi. Vous avez constaté aussi avec tout le monde qui m'accompagne que l'état dans lequel se trouvaient les drapeaux du parti, ce n'était pas vraiment présentable. En tant que responsable, j'étais obligé de venir remplacer les nouveaux drapeaux par les vieux drapeaux qui étaient déjà hissés. C'est seulement ça. Et puis regarder aussi la situation des groupes électrogènes qui étaient en panne, faire réparer ça, comme on s'achemine encore petit à petit vers la date du 1er février. Et je pense que c'est ça l'objectif de mon passage sur le site de Mausolée. Il s'y est noté que tout ceci est fait dans l'objectif de se rappeler et commémorer la date de la mort d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé en Belgique le 2 février 2016. Ce lundi 10 janvier, le patron du tourisme congolais, le ministre Modero Simba, a visité l'inspection générale de finances. L'hôte de marque de l'IGF est venu demander à ce service d'accompagner les fonds de promotion du tourisme, établissement public placé sous sa tutelle. En effet, les fonds de promotion du tourisme rencontrent des sérieuses difficultés pour recouvrir la redevance touristique que doivent payer certains opérateurs miniers. Le concours de l'IGF est donc requis. Au niveau du secteur touristique, effectivement, il y a une grande mafia au niveau du secteur de catering, dans le pétrole et dans le mine. Le FPT, qu'on appelle Fonds pour la promotion du tourisme, est retenu sur chaque plat et chaque chambre d'hôtel louée. Nous avons fait une enquête au niveau du Katanga, il y a plus de 6 800 000 dollars du tourisme retenu par des sous-traitants dans le secteur de catering, dans la restauration, dans l'industrie minière. Et ils font fi en pensant que l'argent de l'État, c'est seulement payer les impôts, alors que le FPT, c'est une enveloppe qui est prévue pour faire la promotion du tourisme. Mon secteur en souffre et nous avons décidé pour 2022 d'être accompagnés et encadrés par les experts qui sont des inspecteurs des finances. L'IGF a promis à son hôte d'accomplir avec efficacité cette mission, à l'instar de ce qu'elle a fait. Un réseau composé de 3 présumés bandits armés et les effets d'un autre groupe en fuite à la base des tueries des motards dans la ville de Likassi, présenté ce lundi 10 janvier 2022 par la police d'investigation du commissariat urbain ville de Likassi. Je suis prévenu devant vous, les voleurs armés qui ont été appréhendés la nuit du 7 au 8 au quartier Simba. Ils ont volé 43 morceaux de viande boucanée, deux postes téléviseurs, les chaises et autres objets de valeur. Le premier groupe dont le chef de bande, Eric Nkoa Umba, est accusé d'avoir entré par effraction dans une maison d'habitation du quartier Simba Kitabataba chez son propre oncle car ayant acheté une moto neuve. Kowa Umba Eric, un neveu de la victime, c'est lui qui avait indiqué aux autres bandits la résidence. L'un des membres du groupe est en fuite avec l'arme avec laquelle ils opèrent. Mais la police a récupéré les statuettes et d'autres gris-gris avec lesquels ces malfrats hypnotisent leurs victimes. Les amulettes ici, qui servent à l'invulnérabilité, pour dire quand ils volent, qu'ils ne soient pas attrapés. Et selon les explications, cette statuette ici, une fois placée devant la maison, vous allez dormir profondément, vous ne pouvez pas vous réveiller et vous ne pouvez vous réveiller qu'au petit matin. Quant au deuxième groupe tous en fuite, la police a récupéré quelques effets dont les marteaux, le seringue et d'autres produits chimiques qu'ils injectent et utilisent pour neutraliser les motards afin de leur ravir leur moto. Lorsqu'ils vous embarquent sur la moto, la première méthode, on commence par taper sur la tête ce marteau et on récupère la moto.
La deuxième méthode, on vous étrangle avec la chaîne. Troisième méthode, nous avons des produits ici. Le chloroforme, nous avons le formol et d'autres produits qu'ils injectent. Nous avons des seringues ici. Lorsqu'on vous injecte avec ces produits ici, directement, vous êtes troublé, soit vous êtes évanoui et la moto est partie. Curieusement, la maison se trouve au quartier Colomoni et le riverain n'ont pas eu le temps de les dénoncer. Ils vivent ensemble avec la population. Pourquoi vous cachez de telles personnes? Vous les cachez pourquoi? Ils vivent avec vous. Venez parler. Nous devons démanteler ces réseaux. Et plusieurs autres butins des vols, hormis les motos, étaient entrés posés dans la dite maison. La police affirme poursuivre les enquêtes pour mettre hors d'état de nuire. D'où le colonel Lidin Chimbamaloba d'inviter la population à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant tous les cas suspects. Tuna lomba ku population. Muna pasha kuishi pamoja na police. Police haina ennemi yenu. Police ku pale njia kumisaidia. Aba bantu angaka hivi vitu vikubiote kwa. Beko naishi ndani yenu manyumba yenu. Unaweza kwa mkubwa yako, mloko yako muyomba angaka huyu. Huyu tunapeleka kule. Anaenda kuiba kwa mungu. Anazana kwa jema, au anazana commerce kwa jema Bokasa. Bokasa entrée à Rwakading, entrée à Rwakading pour Obima, na Prince Kasavu. Botala niveau ya foulo. Ngobila va acheter déjà. On ne sait pas Ngobila kufa obi azali donc azola kisakaka casquette naye ya PPRD comportement Kabila. Botala niveau Ngobila za ko komisa ville, marché central. Il y a capitale, donc il y a capitale Kinshasa. Et ça honte. Moutouabo, il faut que garder toujours comme gouverneur et la ville, Ngobila. Na niveau, donc il y a Somo, il y a Souni, il y a honte. Il y a maman qui a été dans la poubelle. Vraiment, il y a honte dans Ngobila. Ils ont honte, la gouverneur à ville, Ngobila, ils ont Sony. Donc, marché central. Bota la maman niveau bazoteka. Prenez à moi, ils ont Sony, la gouverneur à Ngobila. Bravo. Ndeko nanga ozana loba mukyo okiko loba. Papa, oh, ils ont Sony, Maskasi. Kala raba mbongo batake, c'est kota awa. Mbongo basala na ngoni. Bato bavandi gauche à droite, bato teka bilo na bango, bo epena. C'est la normalité, hein papa, c'est la normalité. Balo ka moya nini basa arrangé po, balo ngle loko po, o tala bato bango ba bati foye de maladi. Est-ce que o voki ko s'adresse mouke na président de la République, Fatih Béton? Prezo Fatih Béton, tu es dit que bato o tina simana, il faut basa la moussa na bango. Alors, balo ka moya nini o lande la, ni sala yo sala lande nge nini, pour la niveau o te. En tout cas, merci. Merci Ndé. Siffle Kangabino! Ete Yabino Elengi Sabino! Souka! Arbitre Yamachaye! Bakongo! Nzale Sili! Nzale Sili! Tembe Sili na Bando Kinyoso! Oyo baloba kike fachia yena social te. Botala social. Ba ebele bazali koloba ke. Azwini boma uto ni kambunini. Na azwini boma pona social. Botala na simanangai ezali machichi te. Me kasi ezali loso. Musala oyo basale libiso na societe ya be ya be. Musala chintok. Na yebisi bino. Bobo ngisa ba toilette ya milayi. Nani alobagi ke fachi kote sosiala kozala na zero. Awa na yebisi bino blok kadena. Tokolia loso en desordre. E kozala suka. Loso oyo batafu nyaka yangote. Oyo bafiba kaka. Albitre bafiba kandengenene. Esika to telemi yao. Toza pembeni ya bilanga. Ya loso. O loso. Oyo eza loso. Oh, machichite. Oh,
papa te gabi loko ya loko ta to telemi devant ma chicho zolo ba wolo non yo soki nano moni loso te loso yangoyo kotala bana mboka musala baza ko salele biso batu bazao nyonso bomoni espace vert oy eza espace vert te ya goma ya pamba ezalinde loso biloko boku monoyo bilanga ya loso bilanga ya loso loso oyo tokolie sa Congo mobimba oyo nyonso bozumuna oyo ya ba étranger kozoli susu esikate e kozale inonde février mars na zoe bisebino suka okumona so okumona saka moko izo bima wana izo bakomi yango mbe ya be oyo bozumuna botika quand même motema mabe soki bana mboka bako sala musala kitoko quand même il faut ko féliciter bango ba congolais bazao okumona étranger te pongai nazoka ni sagaka ke tozana machichi na buke la tante bandambo machichi ali njoka bazoe sangai ke zali loso ndenge bomoni yango boy eza pièce contre pièce la fois passé tozala ki na nkwadi na lakisaki bino masangu facha komi kuna atali masangu ekokani na munene ya loboko nayi asepele lelo lisusu na yeko lakiso fachi. Kajomona utu jomona na shabateka mutanda.
Dinuleja chilumba imutamba manga mutamba masenda. Dinuleja mwabila imutamba mbukune vile mulemu. Zambi mwina undi ngimba tumubikila nenga jomona. Atu imana waku jomona baluishi batu waku jomona chakwiti. Atu kajomona wimana kulu bankumba batu wala bamombui. Chilumba yolola chanza bashome babikiji wabapedeshe. Zambi undi ngimba kitu mungu vula mema bundweyu. Muluma undi nuleja kitu molola chanza waluwanyi. Nashaba ngamba mema lelwe waka jomona chakulekela. Ewu Zambi kaye, ewu Zambi kaye, ewu Zambi kaye, kajomona. Would you?
Chabagazi, Mimi si uone leo. Chabagazi, sifati kusema kwa mwani. Chabagazi, 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 chabag